Et ce président là, je voudrais remercier tous pour avoir pris le temps de venir assister à ce que j'appelle la première assemblée virtuelle depuis la réouverture du siège de l'IRG. Je voudrais vous exhorter simplement en vous demandant de croire avec nous que si le CNRD a pensé quand nous attribuions un seul siège au niveau du CNT et nous décourageait, moi je pense que ce sont lourdement trompés. La NAD n'est pas un mouvement qu'on a créé comme ça, simplement pour remplir le fichier ou le terrain politique. Ce sont des partis à conviction qui se sont retrouvés et qui se sont dit qu'il fallait en fait participer à ce processus. Et la participation, elle doit être totale. C'est la raison pour laquelle nous disons que même si nous n'avions pas eu de siège au CNT, au niveau de la NAC, cela ne nous empêcherait pas de continuer la lutte parce que l'objectif que nous visons, c'est effectivement d'apporter la démocratie en Guinée pour que les Guinéens se sentent épanouis et qu'ils fassent effectivement qu'ils fassent dans ce que j'appelle qu'ils s'adonnent à ce qui peut les intéresser sur le plan du développement. Et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens et c'est là que nous allons vous exhorter à nous suivre, à nous accompagner, à faire en sorte que la sensibilisation des bases respectives de tous les partis qui sont à la date soit encore redynamisée. Je voudrais donc vous remercier, puisque je ne veux pas abuser de votre temps, je voudrais remercier aussi le président de la date pour avoir, disons, invité les partis membres de la date à cette séance solennelle. Je vous remercie.